Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. En fait je vous explique, il y a Victoria que vous avez déjà vu sur ma chaîne qui participe à l'élection Miss Île de France. Donc avec Pépin, toujours présent, toujours là. On est venu une semaine à Paris pour faire des shootings photos nana, que vous verrez dans une vidéo qui s'appellera Spot Instagrammable à Paris. Désolé parce qu'il y a des voitures qui passent. Bref, du coup on est venu en Ile-de-France pour soutenir ma Victoria. Alors, pour vous faire une mise en situation, Victoria a déjà participé deux fois aux élections Miss Côte d'Azur où elle a fini première dauphine et troisième dauphine. D'accord. Où elle a fini première dauphine et troisième dauphine et en fait vous avez le droit de vous présenter trois fois à des régionales. Et elle a décidé de partir en Ile-de-France parce qu'elle va y habiter. Et du coup elle a tenté sa dernière chance. Face à elle, il y a des favoris, à savoir Miss Paris actuelle et Miss Paris de l'année dernière qui se représente aussi, et c'est sa dernière chance, et qui avait fini deuxième l'an dernier. Du coup, un suspense de malade. Non, je rigole. Mais Victoria n'est pas forcément favorite sur les réseaux sociaux pour l'instant, mais on a toujours des surprises, voilà. Donc on espère qu'elle va gagner, tout se joue sur scène. Je vous filme bien évidemment tout ça en exclusivité. N'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram, si elle a gagné, si elle a perdu, dites-lui que c'est la plus belle suite à cette vidéo. Et voilà. Salut. Ici Albert Reporter. Il y a de plus en plus de monde. Dans 10 minutes ça commence. Je vous montre tout ça. Franchement la scène est cool, hein. Là j'ai un beau plan. On espère hein, Victoria, on verra ça à la fin de cette vidéo. Lison, c'était une ancienne Miss pour ceux qui ne savent pas, qui a fait deuxième dauphine de Miss France. Quel est ton surnom ? Linouche, ou sinon on m'appelle Lina Bintou. Un professeur au lycée, il m'appelait Bintou, je sais pas pourquoi. Alors j'en ai plusieurs, Vic, Victoria, Vic le plus pratique, Vicky. Quand j'étais petite, je savais pas dire Victoria, du coup je disais Yaya. C'est resté. Titi, Titi. As-tu déjà triché à l'école ? Oui. Avec moi. Je pense qu'on a tous triché, après tout, oui, j'ai déjà triché, c'est vrai. Oui. Plutôt plage, lagon ou aventure et sac à dos ? Plage, lagon. Sur la détente, bronzer, plage, lagon. Aventure et sac à dos. Moi, j'aime bien me lever très tôt, faire des visites toute la journée, quitte à rentrer tard, c'est pas grave. Plage, lagon.
Homer Simpson ou Bob l'éponge? Homer Simpson, on fait plus des guillemets. Bob l'éponge. Homer Simpson. Bonsoir mademoiselle, c'est à vous de vous présenter, je vous en prie. Bonsoir, je m'appelle Victoria Désier, j'ai 21 ans et je viens tout juste de décrocher mon BTS Management des unités commerciales. Si je suis ici ce soir devant vous, c'est pour réaliser un rêve de petite fille qui est maintenant un rêve de jeune femme, pour représenter la région où je suis née, l'Île-de-France. Si j'ai l'honneur de remporter cette écharpe ce soir, je me servirai de son pouvoir pour défendre une cause qui me tient beaucoup à cœur, la cause des femmes. Comme je l'ai dit dans la vidéo, je pense qu'aujourd'hui, une femme a le droit de vivre et de s'habiller comme elle le souhaite. Alors, ce soir, je vous demanderai deux choses. C'est de me faire confiance et de m'aider à réaliser mon rêve. Merci et n'oubliez pas, je porte le numéro 3. Ouais ! On peut l'applaudir également. Ouais ! Merci beaucoup, mademoiselle. Lara Morenceau,
que je fais à Cannes. Et en fait je vais vous raconter ce qui s'est passé pour Victoria, parce que quelques jours après du coup on a eu un peu des news et tout. Ce qui s'est passé du fait qu'elle n'est pas figurée dans les 5, c'est que en raison du Covid en fait c'était que le public qui votait et qui choisissait les 8 demi-finalistes. Et en fait elle n'a pas été dans les 8 demi-finalistes par vote du public. Et donc c'est pour ça qu'elle n'a pas pu se classer dans les 5. J'avoue qu'il y a eu grave des favorites qui n'étaient pas dans les 8 non plus, comme la Miss Paris en titre, et du coup ça a fait un peu polémique et tout, enfin genre... Bref, du coup je pense que quoi qu'il en soit, si elle avait été dans les 8, elle aurait fini genre 2ème ou 3ème, donc je sais pas ce qui est le mieux. En tout cas c'est une belle aventure pour elle, c'est aussi une leçon pour les gens, de leur dire de persister dans leurs rêves, de croire en eux et d'aller jusqu'au bout et de rien lâcher. Parce que quoi qu'il en soit, aujourd'hui ça lui ouvre des portes. Elle est partie faire du mannequinat à Paris. Et du coup on lui souhaite de la réussite. En tout cas, j'espère que les vidéos de l'élection vous auront plu. Ça vous montre un peu l'envers du décor. Cette année peut-être que j'aurai la chance d'aller à Miss France. Encore une fois, c'est au Puy du Fou, alors j'aimerais vraiment y aller. Bien sûr je vous emmènerai, n'hésitez pas à me dire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Bisous. C'est tout.